Bonjour, c'est David de Multihull Solutions à Tahiti, tout juste de retour du salon d'Auckland, pour vous présenter un bateau magnifique, le Galatea 65 Princesse Chloé de 2010. Ça fait partie de la flotte amirale chez Fontaine Pajot. C'est un des très rares catamarans de ce calibre disponible dans le Pacifique. Donc nous sommes en ce moment dans la marina Taina à Tahiti. Et Princesse Chloé va bientôt continuer son périple vers les Fidji, les Tonga et jusqu'en Australie. Il est disponible à la vente dès maintenant et je vais vous en dire un peu plus. L'actualité du nautisme et des chantiers, vous avez dû voir le succès grandissant de ces catamarans de grande taille. Là, on est sur un bateau d'une vingtaine de mètres, qui est dû à deux facteurs. D'abord, la grande plaisance, qu'on appelle vraiment le yachting, qui évolue d'un monde traditionnellement de monocoque vers les multicoques. Et d'autre part, les activités de charter qui s'orientent vers des navires de taille de plus en plus importante. On a donc eu, là, lors du dernier salon de Cannes, des ventes records pour le nouveau 67 pieds de Fontaine Pajot, l'Alegria 67. Le Galatea 65, c'est un bateau qui peut se manœuvrer seul, en couple ou avec un équipage professionnel. On retrouve dessus quelque chose qui était en 2010 complètement novateur, que les chantiers ont maintenant adopté sur ce type d'unité, à savoir un poste de barre et de manœuvre sur lequel tout tombe sous la main. Donc vous voyez ici, on a quatre winches, c'est des tailles 70 de chez Arken. Électrique, pas besoin d'être un champion de musculation ni d'avoir fait l'America's Cup. On a des boutons, vous voyez également des cordages de grande qualité, tous en état super puisque le bateau est constamment entretenu par son équipage professionnel. Et un poste de barre sur lequel, là encore, tout tombe sous la main. On a les instruments, le guindeau, les moteurs. Donc c'est vraiment qu'on soit dans un lagon en train de chercher le plus beau mouillage ou sur une traversée océanique. C'est un bateau qui reste très facile malgré sa taille. Alors bien entendu, le type de prestation en termes de navigation qu'on attend sur un catamaran de 65 pieds, c'est une autonomie complète à travers les océans. On a plus de 1600 litres de réservoirs de carburant, des réservoirs d'eau extrêmement importants, 4 frigos. Donc voilà, on peut véritablement partir en tour du monde et quasiment pas avoir besoin de s'arrêter ou en tout cas choisir les arrêts qu'on préfère. On a un gréement qui est à la fois extrêmement puissant. Vous voyez la taille de la baume, la taille et le profil du mât. Bien entendu, un accastillage Arken de top qualité. Donc ce gréement, il est là pour permettre au bateau d'avoir des moyennes en traversée océanique bien au-delà des 10 nœuds, mais également dans une configuration qui lui permet d'être très maniable. Donc à l'avant, on a un gréement de cotre avec la possibilité de rajouter encore une voile de portant, mais donc des changements de voilure très importants. Et au niveau de la baume, vous voyez que c'est une baume sur laquelle on peut facilement s'installer pour prendre les ris, affaler la voile. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez tous les cordages qui reviennent sur nos winches Arken 70 électriques. Complément des prestations du bateau sous voile, vous voyez qu'on a un véritable salon sur le flybridge. C'est extrêmement novateur. En 2010, Fontaine Pajot a ouvert la voie. Donc on a en haut trois espaces séparés, l'espace de bar que vous voyez tout à l'heure, un grand bain de soleil et je vais vous montrer de l'autre côté un espace plus dédié à la discussion entre amis, aux soirées et aux cocktails. Donc là, sur une traversée ou le soir dans un lagon, c'est un endroit extrêmement confortable pour s'asseoir entre amis et profiter de l'océan tout alentour. Le carré, espace stratégique, bien entendu, sur un catamaran de grande croisière, avec donc tout cet espace en rond, à la fois très protecteur par rapport aux éléments, un flybridge rigide. C'était une innovation à l'époque, aujourd'hui tous les grands chantiers ont repris. Très belle table en teck, du beau mobilier, qui permet d'avoir des dîners ou des déjeuners en mer, à l'extérieur, entre amis. Et en même temps, un véritable espace de réception. Donc on peut être à 12 ou 15 personnes autour de cet espace.
Alors pour le propriétaire ou son équipage, un des avantages de ce type de bateau, c'est cette communication facile entre le poste de manœuvre en haut et l'espace de réception. Bah, là encore, c'est quelque chose qui est spécifique à Fontaine-Pajot. Chez d'autres constructeurs, l'espace de manœuvre se retrouve sur les jupes arrière, relativement exposé aux éléments, ou chez d'autres complètement séparés de l'espace invité. Tandis que là, on a à la fois un espace simple et en communication directe. C'est un grand atout, bien entendu, en termes de sécurité pour pouvoir garder un œil sur ses invités et en termes de convivialité pour poursuivre des communications tout en étant à la barre. Sur cette unité, le Galatea 65 Princesse Chloé, on trouve des prestations dignes de la plus grande hôtellerie en termes de design, de qualité des matériaux intérieurs, de l'ébénisterie, des cuirs. Donc c'est véritablement l'équivalent d'un hôtel 5 étoiles, mais qui vous permet de découvrir à son bord le monde entier. Princesse Chloé a toujours été utilisée par ses propriétaires actuels avec un équipage permanent depuis leur achat en 2010 aux États-Unis, ce qui permet d'avoir conservé le bateau dans un état absolument impeccable. Donc on est à la fois sur un standard de finition, comme je vous le disais, qui est ce qui se fait le plus haut dans le marché, mais également un entretien qui a permis, au cours des 8 années d'existence de ce bateau, de le maintenir au plus haut niveau. Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est véritablement un navire amiral dans un état exceptionnel.